get out! Ouvrez! C'est moi, le cousin de ta femme. J'arrive. Bon! Aka? Jacqueline! Bonne arrivée! Merci, merci. La vieille! Bonne arrivée! Merci! Ça va au village? Coussi, coussa, tout le monde va bien. Et mon mari se porte bien. Tu es sûr que ça va? Non, il n'y a rien de grave. Parce que là, tu nous as effrayés. Hein? Je voulais dire bonjour à la vieille et demain matin partir à Bassan pour faire un papier. Aka, toi aussi, tu aurais dû venir un peu plus tôt. Oui, tu as raison. Eh, hey, beau, excuse-moi, hein. Tu sais ce que c'est. Bon, sois le bienvenu. Merci, merci. Ta soeur va te faire un lit, tu vas te reposer. Hein? Demain, on pourra discuter avant ton départ à Bassam. Voilà, bon. C'est gentil. Beau, j'oubliais. Il y a une des femmes du chef qui est sérieusement malade. C'est laquelle? La plus jeune, là. Celle qu'il a épousée tout dernièrement, là. Justement. Qu'est-ce qu'elle a? Si vous la voyez, elle a maigri. On dirait balai. Je n'ai jamais vu une personne aller régulièrement au WC comme ça. Son ventre se vide. Son ventre se vide complètement. Ça là, c'est pas un empoisonnement. Oh, mais je sais pas où elle a eu cette maladie. Je pense même pas qu'on puisse la soigner. Ah, peut-être qu'elle est déjà morte. Allez où je parle. Je n'ose pas le dire, mais ce doit être le sida. Hein? Sida. Sida. Syndrome immuno, déficitérapie. Syndrome immuno, déficitérapie. Dans le sida, sida, dans la cité. Sida, sida, dans la cité. Dans le sida, sida, dans la cité. Sida, dans la cité. Sida, 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 dans la cité. Sida, 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 dans la cité. Ça peut te dire. Sida, 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 dans la cité. Sida, sauve l'humanité. Sida, 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 attention. Sida, 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 attention, attention, attention. Sida, sida. Thank you.
Savo, Mayo, il y a quoi qui passe? Il y a un ban. Il faut pour ça encore. Non, c'est pas les gens là. Ils passent avec un cadavre pour aller au cimetière. Et puis ils vont nous faire perdre tout le temps ici encore. C'est vrai. On dit qu'une femme de Safo là, il est mouru. Ah, ok. Si c'est ça seulement, on va passer toute la journée ici aujourd'hui. Hein. Ah. Allô? Oui, c'est moi. Tu as des nouvelles? Oui. On vient d'installer les rideaux. On a refait la peinture. Et ils viennent de nous livrer les derniers meubles. Oh non, c'est pas ça. Ah! Je vois. Il y a un monsieur qui passe régulièrement. Il est déçu de ne pas te voir. Hein? Celui-là. Ne lui dis pas où je suis. Hein? Tu as compris? Et Kafongo? Il n'a pas appelé? Non. Tu n'as pas de nouvelles de Ouaga? Non, rien du tout. Aujourd'hui, c'est la grande mobilisation de la population d'Abidjan à l'occasion de la grande journée mondiale du sida. Comme vous le savez, une marche a lieu actuellement et en présence des autorités, les différents organismes de santé vont attirer l'attention des uns et des autres sur les dangers de ce véritable fléau qu'est le sida. Il est encore temps, mesdames et messieurs. Si vous voulez quelque chose, on va juste regarder. Regardez-vous. Je sais que c'est la marche contre le sida qu'on a vu tout à l'heure. Le sida, j'ai tellement peur de cette maladie que je touche même plus garçon. Ça fait 3 ans que je suis sérieuse. Tu as entendu ça? Mais est-ce que ta grossesse, comment tu as fait alors? En tout cas, moi, je veux me marier. Donc, le sida et moi n'est pas pote. C'est mignon ça. Mais dis, et si ton fiancé te demandait de faire un test de dépistage du sida, comment tu fais alors? Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Quoi? Ça? Et ça? Mais je l'ai reçu lorsque nous allons marcher pour le sida. Tu es au courant, non? C'est cool, hein? Tiens. Mais c'est mon père. Vous et votre affaire de sida. On ne peut plus respirer. Qu'est-ce que là?
Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Est-ce qu'il ne sait pas que je suis enceinte? Que j'ai besoin de lui? J'en ai assez de son silence, moi. D'ailleurs, je sors. Mais, ma fille, où vas-tu? Il se fait bien là-bas. Hé, où vas-tu, madame? Arrête. Très. Ah, Zambari. Entre nous, Deli. Envoyez Kava. Ciel. Terre. Âme de nos ancêtres. Je vous salue. Très cher vénéré chef, je te salue. Honorable notable, je vous salue. Homme. Je vous salue. Et vous les femmes, je vous salue. Encore. Quoi? L'heure est grave. Personne ici n'ignore le drame qui endeuille la famille du chef. Cette douleur qu'il éprouve, nous la ressentons tous en chacun de nous. La défunte était une femme de bien. Une femme de bien. Son charme et son courage avaient conquis les cœurs de tous les villageois. Que l'on aille pleurer ailleurs. Le temps de faire du ciel qui est passé. Babou, ces vieilles femmes qui pleurent beaucoup, là, elles sont diables. Alors tu es diable. Silence. Comme vous le savez tous, la petite Stran est entrée en transe. Et pendant cette transe, l'esprit de Zokpe a porté un doigt accusateur sur sa co-épouse. C'est-à-dire sa plus jeune rivale. Laquelle? À moins série. Qu'est-ce que vous dites là? Vous savez que je suis de ce village. Mais pourquoi l'aurais-je tué? Pourquoi? Mais qui c'est? Pourquoi? Qui c'est? Ça nous fait. L'accusation portée sur cette femme est lourde de conséquences.
Lui, c'est bien dit. Le chef doit parler. Ça, c'est pas une petite affaire. Hein? En tout cas, seul le chef peut dire quelque chose dans cette affaire. Je ne te comprends pas. Comment tu peux quitter ainsi l'Assemblée? Hein? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je reste parmi ces assassins? Il me semble que pour le gardien des traditions, à moins serré à la meurtrière. Quelle preuve a-t-il pour soutenir une si grave accusation? C'est vrai. Son père a beaucoup souffert. Mais pourquoi n'a-t-elle pas désigné le coupable avant de mourir? Qui es-tu donc pour prendre la parole et discuter devant tous tes villages réunis? Il ne s'agit pas de savoir qui je suis. D'ailleurs, vous me connaissez. Dites-nous seulement pourquoi et comment Amoinseri a pu tuer sa rivale. Alors, qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui? Tu veux savoir comment la sorcière tue? Hein? Tu veux le savoir? Vieux, faut pas aller où tu vas là. Tu veux le savoir? Faut pas aller où tu vas là, vieux. C'est toi ici. On ne parle pas comme ça. Fais attention. Dit, mais comment tu es? Ah non, on veut les preuves, on veut les preuves là. Alors, ah bon? Ah bon? C'est pourquoi ces enfants n'ont pas d'avis? Non, c'est pas normal. C'est pas pour ça que la maison a du fait là. Ce gamin là. Que mes frères m'excusent de prendre ainsi la parole en public. Et excuse aussi ses enfants. Mais avant cette interruption, mes oreilles ont cru entendre que l'on demandait au chef de nous éclairer. N'est-ce pas? Que diront les autres? Les notables? Le chef du village que ton comportement a offensé? Pour toi, le chef est plus offensé que moi. Nous avons perdu notre nièce. Ne l'oublie pas. Ne transforme pas mes propos. Mais comment est-ce que nous pouvons défendre notre cause si nous sommes absents de l'Assemblée? Ah, tu me fatigues, tu m'entends? Tu me fatigues! Assemblée, 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 tu n'as que ce mot à la bouche. Va donc à ton Assemblée si tu y tiens tant et laisse-moi souffrir ma douleur. Il ne sert à rien de parler tous ensemble. Chef, nous t'écoutons. C'est vrai, le chef va parler. Mais avant, je tiens à dire ceci. On dit que les co-épouses d'Amoinseri sont ses complices. Je ne suis pas d'accord. Les femmes se partagent leurs secrets. Ça, tout le monde le sait. Est-ce une raison pour nous accuser d'un crime? Arrêtez! 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 Il ne sert à rien de parler à tort et à travers. Le chef est là. Pour nous départager. Chef, on t'écoute. Mes frères, aujourd'hui devait être consacré au rituel de l'enterrement. Hélas, ma défunte épouse, avant de rejoindre nos pères à parler, nous ne saurions laisser son âme errer dans la tourmente sans chercher à déchiffrer le message qu'elle nous a fait transmettre par cette fillette. Mais nous ne devons pas agir à la légère. La mise en cause de sa rivale, ne l'oubliez pas, est également fille de ce village. Je vois déjà les passions qui s'élèvent. Mes chers frères, mes très chers notables, accordons-nous un temps pour la réflexion.
Aujourd'hui, nous avons tous été occupés par les funérailles. Actuellement, il se fait tard. Et nos yeux et nos membres ont besoin de repos. Mélène. Oui, chef. Soro. Hein? Avec votre permission, je voudrais lever la séance. Mado, toi ici à cette heure-ci, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Fongo. Je ne le vois pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Aucune nouvelle de lui. Il sait pourtant que je suis enceinte. Calme-toi. Calme-toi, ma fille. Il voulait d'un enfant, tanti. Il m'a même présenté à sa mère avant son voyage. Et depuis, plus rien. Non, je ne comprends pas. J'ai peur. Tout m'énerve. Je me sens si fautive. Et ton autre mari? Qui ça? C'est Rapo. Oui. Il est marié, lui. Et je ne veux plus le voir. Calme-toi, Mado. Écoute mes conseils. C'est moi qui t'ai élevé. Donc je te connais. Comme un homme, quand une femme commet des erreurs, elle se corrige le plus rapidement possible. Cet enfant que tu portes, tu es la seule qui connaît le père. Donc trouve une solution à ton problème. Hein, bébé, calme-toi et ne pleure surtout pas sur la grossesse. Tes présentations. Allez, viens. Tu as de la chance, tu sais. Ton fiancé est cool. Ce soir, toutes les filles sont à nous. Mais au fait, et ton sponsor? Qu'est-ce que tu en fais? Ah, c'est Rapo. Un vieux comme ça. C'est fini, ça. À cause de son pied que j'étais gentille avec lui, hein. Sinon, hein. Ça y est, le blason va partir. Attention, attention. Levez les mouchoirs. Levez les mouchoirs. Attention, vous êtes là pour toutes les victimes du sida ce soir. N'oubliez pas, si vous pouvez, de vous abstenir. N'oubliez pas, si vous pouvez, de rester fidèle. Je voudrais que ce soir, en rentrant à la maison, vous allez beaucoup vous amuser, vous allez beaucoup picoler. Abidjan Goudé, vous allez saouler, 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 saouler. Mais quand on se saoule, attention, souvent on perd la tête. Mais pas tentation et prudent. Car on n'a pas encore trouvé le remède pour l'arrêter. Yeah.
Sida dans la cité, il y a le sida.